Mais que fait-il, enfin? Il résout, généralement, avec brio. Mesdames, messieurs, je vous ai convoqué ce soir afin de vous parler de l'agression terrible dont a été victime Madame Victoria Hammer, que vous connaissez tous fort bien. Je vous présente les agents Rupert et Schmidt qui m'assisteront dans la douloureuse tâche de l'arrestation du coupable. Mais enfin... Enfin, inspecteur, vous sous-entendriez pas quand même que l'un d'entre nous... Le crime, Madame Klein, parfois paye. Mais resituons les événements un instant. Voulez-vous. Le soir du 14 août, aux alentours de 22h30, un individu cagoulé et armé d'un tisonnier de cheminée se gare et pénètre dans le relais du Bleu Lagon, situé sur la bretelle d'autoroute A38 et dont la tenancière se trouve être Madame Victoria Hammer. Arrivé au bureau de Madame Hammer, le cuistre lui intime de lui remettre le contenu du coffre, mais celle-ci lui résiste. En conséquence, l'individu la moleste violemment, cause de son actuel handicap. Voilà pour ce qui est des faits. Et alors? C'est un braquage. Et après, n'importe qui aurait pu le faire. Sauf que la serrure n'a pas été forcée. C'est la clé du coffre qui a servi à son ouverture. Clé dont l'emplacement et l'existence n'étaient connus que par peu de personnes, soit par Victoria elle-même, et par vous-même, messieurs. Oh. Enfin. Mais ce pourrait être n'importe lequel d'entre nous. Chacun d'entre vous avait de très bonnes raisons d'éliminer Victoria Hammer. À commencer par vous. Oui, vous, monsieur Rodriguez. L'amant de madame, joueur invétéré, criblé de dettes. Un peu d'argent supplémentaire ne serait pas de refus. Mais monsieur, c'est indigne. Oh, et vous, monsieur Hammer. Vous, jaloux comme un tigre et colérique avec ça. Elle ne vous respectait pas. Elle était si méprisante. À quel point pouvait-elle bien vous énerver? Je ne m'énerve pas! Oh, et vous, Madame Klein? Vous étiez sa fille, mais vous n'avez jamais pu vous entendre avec votre mère. Surtout depuis votre mariage avec Monsieur Klein. Un héritage aurait été le seul bénéfice à tirer de cette situation. Comment osez-vous? Tous auriez pu trouver un avantage à la disparition de Victoria Hammer. Mais en vérité... Il n'y a qu'un coupable. Lui seul aurait eu suffisamment de raison et de jugeote pour commettre pareil larcin. Victoria, elle veut dire quelque chose. C'était vous, inspecteur? Je vous demande pardon. Qu'avez-vous fait? Moi, mais monsieur... Maintenant que je pense, vous habitez pas loin de l'arrêt de l'autoroute A38, ouais. Oh. C'est à quoi ça? À moins de 5 minutes du relais? Oui, oui, en effet. C'est à se demander comment vous avez fait pour arriver si vite sur place, inspecteur. Moi? C'est vrai, ça, tiens! Il a raison! Moi, il a raison! Inspecteur, je vais vous en donner. Oh là là! Merde. Qu'est-ce que t'as foutu? Il a essayé de me mordre. Bon, bah, aide-moi. I want your money, but your money ain't right. So I'm packing it in. I stay at home every night. And I'll place it cleared out. The bad luck had fallen.